Bienvenue à la conférence Nibellis sur les impacts RH du prélèvement à la source. Nibellis, c'est d'abord une aventure. C'est une aventure qui a 20 ans, qui est née à l'aube de la création d'Internet et qui a senti tout le potentiel qui était associé. Et dans le développement d'Internet, c'était le langage de développement qui permettait de faciliter les développements dans des environnements à forte contrainte. Quoi de plus changeant, quoi de plus mouvant que l'environnement paye. On a l'immense privilège d'accompagner un peu plus de 1400 clients. D'abord, qu'est-ce que le prélèvement à la source ? Il faut savoir que c'est avant tout un dispositif fiscal et qui consiste à faire cesser le décalage qui existe aujourd'hui entre la perception des revenus, le moment de la perception des revenus et le moment où l'on paye l'impôt. Le but est de faire coïncider ces deux moments. Pour les salariés nouvellement embauchés, ces salariés ne figuraient pas sur la DSN du mois précédent. L'administration a également permis un dispositif qui pourra s'appliquer dans cette situation, à savoir le dispositif Topaz. C'est une plateforme qui va permettre aux employeurs d'aller récupérer les taux applicables aux salariés nouvellement embauchés. C'est une simple faculté, vous pouvez très bien appliquer le taux neutre. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le taux neutre peut se révéler assez défavorable aux salariés. Le prélèvement à la source rend certaines mentions obligatoires, à savoir que figureront désormais sur le bulletin l'assiette du prélèvement à la source, le taux, le montant de la retenue à la source et le net à payer avant impôt sur le revenu. Chez Nibellis, on a intégré un pool de clients pilotes. On en a qui ont été eux-mêmes sollicités par l'administration fiscale, sur lequel on leur a demandé de se rapprocher de leur éditeur pour être client. Donc on a la chance d'avoir un certain nombre de clients qui suivent de ça de très près, de sorte à ce que l'ensemble de nos 1400 clients à partir de janvier soit parfaitement opérationnel d'un point de vue technique pour la récupération des comptes rendus métiers et sur l'application des bons taux pour leurs collaborateurs. On répond effectivement d'ores et déjà, puisqu'on a des clients qui, à partir d'octobre, on va faire figurer, préfigurer le montant qui eût été le prélevé si on était déjà sur le prélèvement à la source. Voilà comment est-ce qu'on a opéré la transition. Pour Nibellis, on a ces états-là. Pour les autres, interrogez-vous, effectivement, c'est important à anticiper dans le cadre de cette phase de transition.